Vous avez été nombreux à me dire qu'on pouvait associer n'importe quelle arme à n'importe quelle compétence dans une de mes précédentes vidéos en commentaire. Et effectivement, après 100 heures de jeu, moi je suis complètement passé à côté parce que instinctivement, c'est pas déjà expliqué et on peut facilement passer à côté. Donc moi là, je vais vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment faire pour ceux qui ne le savaient pas ou pour ceux qui cherchent justement comment faire. Donc c'est tout simple, quand vous allez dans votre arbre de compétences, vous allez dans attribuer, là vous allez sélectionner n'importe quelle compétence qui utilise une arme bien entendu. Quand vous allez descendre, vous allez voir l'arme qui est sélectionnée automatiquement, donc par défaut ce sera toujours automatique. Mais si vous appuyez sur carré, sur changer d'arme, là vous allez pouvoir choisir soit une arme à deux mains, soit une arme contendante ou soit une arme tranchante. Donc vous allez vraiment pouvoir choisir la meilleure arme qui correspondra à votre capacité, à votre compétence. Et bien entendu, quand vous allez changer d'arme, vous pouvez voir les statistiques qui changent au-dessus. Donc voilà, c'est très important, c'est une fonctionnalité qu'il faut absolument connaître.